1-2-1-2. De retour. De retour. Avec la musique qui va fort. De retour. Cette fois-ci, on est prêt pour aller faire le dragon. Enfin. Pourquoi sommes-nous prêts? Salut à tous, d'ailleurs. Pourquoi sommes-nous prêts? Bah parce que j'ai fait le Nether. Je l'ai fait entre le stream d'avant et maintenant. Je suis allé faire la forteresse. Comment j'ai fait? C'est simple. En fait, je cherchais la dernière fois comment utiliser lui. En fait, il faut faire Shift-Click. Voilà, il faut faire Shift-Click dessus sur le structure compass. Et ça m'a permis d'aller de trouver une structure facilement. Je vais vous montrer. De toute façon, j'ai torché pour vous montrer la forteresse quand même. On va y retourner rapidos. Hop là, on tape pas. Commence à me taper, commencez pas à m'embêter. Du coup, faut passer par les. Faut suivre les torches. Avec j'étais revenu donc. Hop. En fait, j'aurais dû mettre un waypoint, mais faut suivre les flèches. Enfin bon, là-bas. Bref, et la forteresse, elle est là. Voilà, tout simplement. Je suis allé aussi jeter un oeil là, mais non, ça c'était le stream d'avant, je ne sais plus. Donc voilà. Et donc, j'ai eu des bâtons de blaze. Voilà, nickel. Donc, on va pouvoir enfin se faire ce stronghold. Ce stronghold de fou. Depuis le temps. Là, c'est sûr, on y va. Direct. Qu'est-ce qui s'est passé quand même entre deux, bah, comment il s'appelle Herobrine rapproche ses altars de plus en plus. Donc, il est là. Ça va, il est là. Bonjour. Ça va? Tu restes copain, tu te barres, c'est bon. Des têtes, j'ai rajouté des têtes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchanté, j'ai mis en protection 3, puisque j'ai récupéré des trucs. J'ai mis en agilité aquatique 3, celui-là. J'ai récupéré un arc puissance 4. J'ai beaucoup de cœur. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le Ghast Eye, qui est une amulette, on va dire, qui permet de rajouter 10 extra hearts et ça donne régène lorsque l'on tue des mobs. J'ai également un bracelet qui donne de la chance et de la force. Celui-là, je crois qu'on l'avait vu, qui donne l'undying. Je me suis refait des backpacks. Voilà. Celui-là, il donne des dommages. Ça augmente la vitesse d'attaque. J'ai un totem encore d'immortalité ici et j'ai ça qui évite les creepers. Bon, et c'est la nuit. On va dormir. Le son marche. Bref, donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rien récupéré d'autre. Bah, un peu ce que j'ai récupéré dans les coffres. Voilà. J'ai fait les enchantes. Ah ouais, là, j'ai trié. Alors là, j'ai des espèces. Alors, je sais pas si c'est de l'arnaque ou pas. Et ils disent qu'on peut voler quand on le met sur le dos, mais ça marche pas. J'ai pas envie de voler tout de suite. Donc, voilà. Donc, hop, on va directement. Bah reprendre, effectivement. Ah ouais, lui, il absorbe, c'est vrai. Il absorbe. Hop, on va partir propre. Et, bah non, on va même pas faire ça, on va le jeter d'ailleurs. Et bah, on est parti. Il me faut justement une structure compass qu'on va shift, clic droit, et cette fois-ci, voilà, il est sur forteresse. C'est quoi que je cherche, moi, Stronghold? Gold. Voilà. Et donc c'est toujours le même, il est toujours dans la même direction. Donc on reprend le bateau. Oui, alors du coup des bâtons de blaze, j'en ai 30, hein, ça ira. Des enderperles, je pense que j'en aurai assez. Mais on verra plus tard. D'ailleurs, dans celui-là de backpack, qu'est-ce que je me suis mis de côté? Des totems, ça pour rentrer. Encore des trinkets là. Ça donne 150% de damage. Il y avait un truc qui était sympa, c'était ça, pour rentrer dans le Nether. Qui permet de marcher sur la lave. Alors, c'était pratique. Et ça, ça évite, je crois, les fantômes. Voilà, moi, je crois qu'on peut y aller hein, cette fois-ci pour de vrai, pour de bon. On va essayer de vraiment se faire
vraiment se faire le dragon. On a des flèches, on a deux arcs. On a une très bonne épée. Ah d'ailleurs, je crois que j'ai rajouté un truc sur l'épée. Faut que je vous montre. Faut que je vous montre ce que j'ai rajouté sur l'épée. Faut aller par là. Bon, bah, descendre du bateau. Hop. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur l'épée? J'ai rajouté butin 3, non, tranchant 3. Oh, je ne sais plus. Sur quoi? Ah non, c'est sur la pioche que j'ai rajouté, efficacité 3. Bon, bref, on y va. Là, on a beaucoup de cœur. On a deux totems d'immortalité. On devrait y arriver cette fois-ci. On n'a pas encore essayé, mais. Donc suivons la petite flèche. Ouais, on les avait faites ces deux tours-là, tout ça. On va faire le tour par là. Ah bah, j'ai plus besoin de plumes. C'est bon, ça devrait aller. J'ai deux stacks de flèches, ça devrait suffire. Ah, j'ai enlevé. Ah oui, j'avais le double saut, là je l'ai enlevé de mes chaussures, là ça me stressait trop. Ça me stressait trop d'avoir les chaussures qui faisaient des. Qui faisaient des bonds là. Ça m'allait pas. Donc j'ai viré. Voilà, un petit peu les nouvelles. Yop, allez, on est reparti. Merde. Je sais pas si j'ai pris assez de bouffe par contre. Bon, là. On va finir ces trois trucs-là. Je crois que j'en ai là-dedans. De la bouffe. Ouais, j'ai 36 steaks. Ça devrait le faire. Allez, zou. Un petit peu de nage libre. Donc dès que la flèche va dans l'autre sens, oh putain, il y a des donjons. Et après, on se fera des donjons et on essaiera de se tuer les boss. Une fois qu'on aura fait les boss, ça c'est le grand programme, hein, et ben on essaiera de tuer Herobrine. Pas pour tout de suite, hein. Encore quelques streams qui nous attendent, hein, de la vitesse que je vais. Mais en même temps, au fur et à mesure, quand on se fait des donjons, des boss et tout ça, ben on devient de plus en plus fort, quoi. Donc voilà. De plus en plus forte, de plus en plus équipée. Je crois qu'on l'avait fait ce machin. Bon, je ne sais pas. On le fera plus tard. Là, aujourd'hui, on ne se déconcentre pas. Enfin, aujourd'hui. On ne se déconcentre pas. On essaye d'y aller direct. Alors j'espère que c'est pas trop loin d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Encore 1000 mètres quand même. Hein, d'ailleurs, on pourrait y aller en bateau, non? Par là, il a l'air d'avoir la mer. Je reprends mon bateau. C'est qui me tape déjà, direct. Où est-ce qu'on est venu par ici? Oui. Du coup, on a évité le temple de la mer, je ne sais plus comment. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec le temple de la mer? Je sais qu'on cherchait après un temple de la mer la dernière fois. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, on y va en bateau, on se promène. On va traverser un petit peu. Si on va comme ça, on ne veut pas couper. Ah, on ne sait pas où c'est. Hein. On suit la flèche, on suit la direction. Oh, encore 600 mètres. J'espère qu'on va trouver. On aura mis du temps quand même, hein. On aura mis du temps pour aller se faire le dragon. Mais bon. Est-ce que j'ai encore le double jump? Je sais pas si j'ai le double jump. Sais que je peux sauter les murs. Double jump, je sais pas. J'ai plus. Allez, on va y arriver bientôt. Je sais pas, j'ai entendu un truc, mais. Ah, mais les bisons sont toujours là. Ah ouais, c'est Alex Pop. Oui, on va vous laisser tranquille. Ok, ils m'ont donné un coup de boule.
Je reprends mon petit bateau. Hein, lui, il fait de la lévitation, le bison. Doudou. Un petit village orque là. Qu'on l'a fait. Bon, on a dû le faire. Je pense. On va voir. Les otaries. Les phoques. Bébé phoque. Voilà, bah, d'étoiles d'araignée. On l'a pas fait, mais. Si, lui, il donne un bloc de diamant, tiens. On le tue. Crois qu'il donne un bloc de diamant. Alors. Ou alors, c'est quand on a éliminé le. Quand on a éliminé le tout le village, je sais pas. Je sais qu'à un moment, on récupère un bloc de diamant. En fait, ils sont pas très nombreux là-dedans. Voilà, mais c'était détruit. Oh, mais j'ai dû venir ici. J'ai dû faire ma razzia. Ah non. Là, il faudrait qu'on les utilise un de ces quatre. Vous montrerai ce que c'est. Tu. Sais pas où il est l'autre. Je sais qu'il y en a, il y a un coffre là-haut. Moi, ton bloc de diamant, toi. Normalement, ah ouais, il est là. Voilà. Il est stocké. D'ailleurs, j'ai des blocs de sable. Hop, on va ranger. On va le jeter. Et on va aller chercher ce petit coffre. Voilà, j'ai pas ma hache. Enfin, pas sur moi, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Encore ces machins, mais ça marche pas. Donc, bon, je veux bien les prendre, mais bon. Au bout d'un moment. Ouais, alors j'ai deux sacs. Hein, j'ai celui-là, et celui qui est sur mon dos, et celui-là. J'aimerais y arriver. Si je fais ça normalement. Oui, et puis il y avait ce coffre-là aussi. Donc on l'avait pas fait celui-là. Faudra qu'on voit ce qu'on fait avec ces. Ce qu'on fait avec ces cornes et tout ça. Là. Mais on regardera tout ça tranquillement. Aujourd'hui, maintenant. Tiens, il est encore là, lui. Non, mais j'étais pas. D'ailleurs, c'est par là. Pas qu'ils viennent trop, hein. On n'est pas prêt encore. Hein. Stuffé. Bon, l'épée, elle est sympa. Hein. 25 de 24, mais il y a mieux encore. Et au niveau armure, on a mieux aussi. Donc on verra plus tard. Pour Herobrine, pas pour tout de suite. Surtout qu'il y a les boss à faire. Je sais plus combien, il y en a 25, je crois, de boss à trouver. Donc oui, on a commencé tout doucement. Il est là, le Stronghold. Hop, ici. Ah ben voilà, allons-y. Faudrait que je prenne ce truc-là. On va creuser. On va creuser. Il faudrait une pelle aussi. Je crois que j'ai une pelle quelque part. Brûlant. Qu'est-ce que j'ai comme pelle? Pas grand-chose comme pelle. Oh, juste celle-là. Ouais, c'est pas mal ici, je pense. Doit pas être loin, je pense. Hop, elle. Pas tomber dans de la lave, mais bon. Je regarde, je fais le tour. Je sais pas quelle profondeur c'est. On est à couche 10. Ah oui, c'est vrai que maintenant c'est profond. Paraît bien profond. J'espère qu'on va le trouver facilement. Un 13. Suspense. Ah bah non, on enlève là. Ok, nickel. Bon,
on va torcher un petit peu pour, hein, parce que pour s'y retrouver là-dedans. C'est mort. Ouais, il y a une torche. Coup, faudrait prendre des. Ah, tiens, il y a un boss. Comment il s'appelle? Kex Mine. Ouais, lui, on va y aller. On va y aller maintenant qu'on. Ça fera partie des boss. Voilà, vous voyez, c'est il a une barre de boss. Donc, il a beaucoup de cœur, mais. Il nous a donné quoi? Un bibelot. Enfin, je sais pas si c'est lui, mais c'est certainement. Vous avez 20% de dommages bouclier, enfin de dommages bouclier, si dans les 5, avec 5 minutes de cooldown. D'accord. Bouclier 20 sur 20, mais ça se met où? Dans bibelot. On peut se le garder, hein. Ce stick. Ok, on avait fait un boss. De toute façon, on a le truc des progrès. Est-ce qu'on peut le foutre dans les bibelots là? Merde. Ou alors faut le garder sur soi. Bon, pour l'instant ça va. Ok, si c'est des boss comme ça va. Hein. C'est qui crie là? Y a Kex. Lui par contre c'est un Vex. Ça va être un peu plus chiant à faire. Bon, c'était pas toi que je voulais. Se mettre dans un endroit un peu plus safe parce que là pas évident, jamais rien. Où est-ce qu'il est, Kex machin là? Il va arriver. Oh, ça va, s'ils sont pas plus forts que ça les boss. Lui, il m'a pas donné un truc à lui. Il a dû me donner un truc, mais je ne sais pas quoi. Parce que normalement, il donne des machins. Il donne des. Oh, protection 4. À récupérer, pas mal. Bon, je sais pas ce qu'il m'a donné, mais il me l'a donné. Bon, là, il n'y a rien. Bah, si c'est ça, les boss, en fait, seraient déçus. Parce que je les ai pas testés, en fait. J'ai pas voulu me spoil. Mais. Allez, c'est parti. On va trouver la bibliothèque et tout ça. C'est pas buggé ou on va pas le réussir à trouver. Passe d'un côté, tu remontes de l'autre. Ça tourne à gauche, c'est que c'est pas c'est par ici que je suis pris. Bon, faut regarder la map en fait. Voilà, c'est simple. Oh, allez ici à droite. Ou après à droite. Ouais, c'est par la droite ici. Allons-nous le trouver, je ne sais pas. A l'air un peu buggé ce truc. Ah bah, putain, j'ai planté. Ah, ça a planté! Quand ça fait ça, c'est que ça a planté. De toute façon, je l'ai vu avec la porte. Eh ben, on va relancer. On va relancer Minecraft. Décidément, j'ai pas de bol. J'ai pas de bol. J'y arriverai jamais à faire ce truc. À faire cette aventure. Où ça a planté, mais c'est pas quel mode plante, ça m'énerve.
toute façon, dès que là j'appuie, il n'y a plus rien, c'est mort. Bon, on revient, désolé. Là, la sauvegarde marche pas, évidemment. Vraiment pas de bol, hein, que cette map. Bon. Eh ben, j'espère des tâches, fin de tâche. Le relancer pour voir. Mais j'ai peu d'espoir. Peu d'espoir que ça se relance. Parce que hier j'ai mis 2 heures, j'ai du tout réinstallé. Donc on va voir. Il y a un mode qui est à jour, qui s'est mis à jour entre deux. Espérons, espérons que ma save ne soit pas morte. En même temps, j'ai fait une sauvegarde, mais bon, retourner là-bas et tout. C'est parti. Croisons les doigts. Pour l'instant, ça load. Des chunks. Ça remarche. Ça remarche. Bon. Un mode ici. Ah, je les ai pas tués en fait. Ok. C'est eux qui m'ont cassé les. C'est eux qui ont. Ok. Il y a le truc là. On remarche toujours. Pas toi que je voulais, mais bon. Des trucs en dessous. Sûr, je tombe dans le trou. Ah, il est bien bugué hein, ce stronghold là. Alors qu'on va trouver le dragon. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je veux faire. C'est. J'en ai plus besoin d'ailleurs. Ben non, je suis con de la pierre, j'en ai plein là. Hop, hop, par contre, il me faut de la bouffe. Quoi? On va prendre ça. Hop, hop, même pas comme ça, comme ça. On va remonter. Vrai qu'on n'avait pas eu de mob encore. C'est là, peut-être. Tu me suis, toi. Le démonter ce. Je sens que je vais le démonter le truc, le pangol là, parce que. Quand il y a le truc qui est là-bas. C'est-à-dire qu'il est dans une structure quand même. Il est plus bas. Allez, où est où le Vex là? C'est vrai qu'il passe à travers les murs, lui.
despawn ou quoi? Ah non, il est là. Je casse quoi. Venu ici? Je pense pas, hein, vu commencer. Ah, revenu par ici. Ah bah non, je suis pas venu. Ok, ça c'est ce qui permet de marcher dans la lave. Ok, ça fait. Ouais bah. Ok, on a fait le tour. Allez à droite. Va-t-on trouver ce machin? Ah mais regardez, ça continue par ici alors que... Ah! En face, non? Lui ici, non? Je sais plus. On va mettre des blocs hein, quand on est venu parce que sinon on n'y arrivera pas. Hein. Mais des torches. Ah non, on n'est pas venu parce qu'il y a un coffre. Replanter. Bon. Dans le genre, j'ai pas de bol. Un gros problème sur avec un mode, mais lequel? Allez, on recoupe 2 minutes. Voir les logs. Il me dit. Ou l'élémental structure. C'est ça. Valide pool élément optionnel chunk. Bon, il y a pas, Ah, better animal plus. Bon, c'est pas ça. Plus haut. Map like. J'arrive pas à trouver le mode qui pourrait foutre la merde. Chunk storage. Je préfère que ça relancer quoi, ça allait bien. J'ai joué toute l'après-midi, machin. Et puis bah voilà. Ça repart. On va relancer. C'est vrai qu'on est tout le coup tout le temps les mêmes musiques, faudrait que je les change parce que j'en ai marre. Ah là là, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui plante? Quel mode plante? C'est pas possible quoi.
Bon, si me remet au même endroit que tout à l'heure, on arrête. Ouais, je suis au même endroit. Je suis là. Alors, est-ce que c'est ses boss? Je sais pas. Oh, on trouve des trucs. Gantelet de feu. Ok. Mine deux fois plus rapidement sous l'eau. Par contre, alors est-ce que ce serait pas un machin là-dessus? Ah non, les bracelets, ça marchait. Je les avais dans mes sessions de test. Oh, pas qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire que... Oh, bibliothèque. On a pas tout perdu. Le problème, c'est est-ce que ça va sauvegarder, quoi? Bon, s'il y a bibliothèque, il y a Stronghold quelque part. Hein, on va le trouver. Enfin, le truc pour rentrer. Normalement, il y a des coffres. Je sais plus où, mais il y a des coffres. Il y en a un au-dessus. Il y en a deux, en fait. Il doit y avoir un ici avec une échelle, là. Là ou à gauche. En face. Normalement, il y a des coffres. Ah bah il est là. Chute amortie en plus 1 et empalement en plus 1. On prend. Ok. J'aimerais. Ah peut-être c'est le magnète qui fait chier. Ou le pick-up du. Bah non, je l'avais pas la dernière fois. Je vais désactiver le magnète. Et là-dedans, je vais désactiver ça. Donc du coup, il manque encore un coffre normalement. Merde. Je crois qu'il y en a deux de coffres. Pensais qu'il y en avait un en l'air. Bon, j'ai dû rêver. En tout cas, niveau bibliothèque, ça va. Si on en veut, on en a. Alors, c'est la map. La map, elle... Ma passe mais pas à jour, mais bon. Stronghold tout cassé. Faudrait que je zoome là, parce que c'est dans les paramètres de la map. Setting. Dans Meatmap, je crois qu'il y a un truc. Divers, c'est pas ça. C'est dans la vue. Zoom là, souterrain là.
Peut-être lui alors. Ah, c'est ici. Voilà. Zoomer par 3. On voit à peu près. Ok, on va là. Fait, le truc. Ah bah. On le voit ou alors c'est de la lave. Encore une bibliothèque? Ah bah il y en a deux. Ok, donc ça c'est la bibliothèque. Ok. C'est ça qui m'intéresse, moi je vais aller tuer du dragon. Ouais, une boussole. Putain, t'as vu les loot là? Lance de la mer, ok. On récupère. Réponds un petit SMS et j'arrive. Tadidala. J'espère que ça sauvegarde. C'est pas le problème. J'ai pas envie de tout recommencer quoi à chaque fois. On va faire un essai. Ça marche. Moi, c'est sauvegardé. Je crois qu'on peut faire une sauvegarde en cours de route. Il y a un bouton, je crois. Mais non. Eh oui, c'est ça, les choix du live. Bah, tu es le poulet là, non? Oh, c'est pas le poulet. C'est lui qui passe à travers les murs, il doit foutre la merde, hein, je sais pas, mais. Bon, on est où là? Y a rien. Ah, il est là, le Stronghold. Ok. Ça, on s'en fout. Bon, combien il manque de neneuil? Ah bah. Il en manque, mais bon. D'ailleurs, pour éviter de se casser la tête. On fait un add ou open setting. En fait, c'est le setting. Non, c'est pas ça. Je voudrais rajouter un web. Alors, avant, j'avais une touche de raccourci que je n'ai plus. Ça m'énerve. C'est dans les options. On va y arriver. Aujourd'hui, enfin, décidément, c'est pas mon jour. Contrôle. On va refaire l'assignation des touches là. Donc, 0 minimap là. Et add waypoint là. Afficher, afficher, zoomer. Nouveau point de navigation. Quick. Non, c'est pas un quick. Paramètres, c'est Y. Agrandir. Dollar. C'est quoi le bouton? Afficher les grilles de chunk, les points. Dézoomer. Nouveau point de navigation. Ça peut être ça. Ou alors, c'est un point. J au pif. Par ça, J. Bah voilà. Ajouter, ben ce portail de end.
Du coup, il m'en faut combien j'ai dit? 3, 6, 9, 10, 11. Oh, ça en fait 11. Parti. Putain, j'avais récupéré ça là. Ça permet d'enflammer les cibles. On va pas enflammer le dragon, donc ça sert à rien. Hop, on va le ranger. D'ailleurs, la bouffe, qu'est-ce que j'en ai fait? J'étais pas censé m'être mis de la bouffe tout à l'heure? Si, mais bon. Avec du planté entre deux, donc 11, je sais plus combien. Il m'en faut 11. 3, 6, 7, 9. Bon, je sais plus. Ça m'a déconcerté encore cette histoire. Hop, on prend des flèches. Ça devrait être suffisant, j'espère. On va prendre celle-là aussi. Je sais pas si les spectrales font mal, je pense pas. Bon, ça devrait suffire. D'accord, c'est l'orage. 3, 10, 9, 10, 11, j'ai dit. 11, 11, 11. Huit, neuf, dix, onze. On se garde des Ender Perles sur la main, sous la main au cas où. Au cas où, au cas où. Là, j'en ai plus besoin. On mange. On vérifie que le mode n'est pas cassé. On place les enderperles et on y va. J'en ai perdu une en route, je crois. Hein. Je crois que j'ai fait un misclick. Heureusement que j'en ai une en rab. Au moins. Bah non, j'en avais plus que ça, mais bon. Il me faudrait peut-être des blocs aussi. Des planches ou... Qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a de la pierre. Oh, à la place de rien pour l'instant. Hop, voilà. Voici. Cette fois-ci, on y va. Ne ferais-je pas dodo? Ouais, si je peux faire dodo ici, je crois que j'ai un lit. Ah ouais, mais ça va pas faire mon spawn, mon point. C'est pour faire passer l'orage, on s'en fout. J'ai pas de vrai lit. Bon, c'est pas grave. J'ai mis un waypoint, on verra. Ok. Bon, bah. Allons-y. J'attends que la map se dévoile. Ok, on va aller par là. Seulement, je savais quel mode plante. Le problème, c'est que je sais pas. Coucou. Ah, j'allais dire, il n'y a pas d'Enderman. Oh putain, mais il fait vachement sombre dans ce machin. C'est bon, il est là. Ça commence. Il est bien cet arc là parce que. Ouais. Ça, je pense qu'on peut pas l'avoir à travers les grilles. Bon, 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 ok. Oh, j'ai un truc de téléporteur. Ça, je vais l'activer. Tout de suite. Comme ça nous permettra de revenir. Hop. Je sais pas si on peut le renommer, mais bon. On sait que c'est l'end. Je crois qu'on peut le renommer le truc. Non, on peut pas le renommer.
Donc Ras Al Mared, c'est l'end. On a besoin de revenir. Bon, alors on va pas se stresser, on va essayer de se faire le dragon. C'est un end standard. Ok. Il faut aller péter les machins là. Je vais essayer mon nouvel arc. Je vais essayer d'économiser un peu les flèches quand même. Là on est un peu loin. Voilà, lui il m'a pas vu. En fait, heureusement que j'ai chute amortie, mais quand même. De toute façon, tu vas te régénérer, alors ça sert à rien. Faut aller péter ces merdiers là, ils sont vachement hauts, je trouve. Bon, deux sur je sais pas combien. Le pire, c'est celle-là, hein. Ceux-là. Ça va. Vous énervez pas, vous les Endermen, parce que 1, ça va être votre fête. Donc il est pas mal cet arc là, il a l'air d'être puissant. Donc ça, faut grimper, hein, je pense, y a pas le choix, y a pas à tortiller. 24, ça grimpe là. On est là. Chiant lui. Hop là. Bon. Il y en a encore beaucoup là, des merdioux. Oui, encore celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'était là-haut. Ouais, c'est qu'on voit rien du tout. J'ai envie de gaspiller des flèches parce que je vois rien. Ah, il y a celui-là aussi. T'es pas le fils à casse-couille, toi. Celui-là, je le ferai de là-haut. On y va calmement, hein. Sans rien de s'énerver. Ah. Putain, mais il me fait des trous le truc. On y retourne. Je sais qu'il fallait pas s'énerver. Je l'ai du dragon, j'en ai pas besoin donc. Je l'ai pas récupéré. Pour faire des potions de je sais plus quoi. Ah, quand même. Ok, et donc, il y a encore celui-là. Et puis l'autre. Mais bon, on peut lui péter la gueule maintenant. Je vais le faire d'en bas. Hein. Allez, on est parti. Donc, t'es où? T'es là. J'ai dû regarder un Enderman, évidemment. Oh putain, il y a encore un. C'est qui est vénère? C'est toi qui est vénère? J'avais pas un truc contre les Endermen, moi? Ah non. Bon, il en a encore un. Un healer. Putain, mais il y a encore un qui me tape. J'ai vu encore un healer.
Et sont... Ah, il est là. Putain. Ok, merci. Oui. On se régène un peu là. Parti. Allez, je vais pas tirer 3 milliards de flèches. Sais pas si vous le voyez, vous. C'est vachement sombre, hein. Ah non, pas mon épée. Hein. Comme si j'en ai pas assez. Oh, il m'a donné plein de trucs par contre. Peux-tu me rendre la lumière, merci. Allez, on va aller te botter le cul. Fait voler ce con. C'est quoi ces machins là? J'ai envie de dire que j'ai des hallucinations, mais. Quoi ces bestiaux? Progrès réalisé, tant mieux. Je ne sais pas ce que c'est. J'en ai récupéré des codes cosmiques. Ma foi. Bon, t'es où? Où il est ce con? Oh putain, il y a Robrin qui arrive juste au moment. Comme si on avait le temps. C'est moi ou... Comme si j'avais le temps de m'occuper des Robrin de suite. Par contre, j'avais pas un dragon dans le temps. Ah, il est là-bas. Attends, j'arrive te botter le cul. Ah bah il s'est rebarré, voilà. Oh, reviens là, hein, j'ai pas le courage de courir après toi. Hein. Baisse la tête pour éviter les bouboules. Ah mais moi je vois rien donc je sais pas comment vous faites. Je sais pas si vous voyez vraiment. Mais bon. Bon alors encore une flèche et c'est bon. On va pas trop loin. Pas le viser, toi. Ah, quand même, t'as pas le fils à casse-couille, quand même. Ah, je t'ai pas eu, si, je t'ai eu. Tirer l'XP normalement avec ça attire l'XP aussi. Je le réactive. Chose de faite.
Ah, j'ai une tête d'Enderman, nickel. Il m'a donné quoi? Épine, celui-là. Bon, eh ben on a fait le dragon. Bah putain. On a fait le dragon. Qu'est-ce que? Ah oui, je voulais des perles de l'Inde. Parce que je voulais me faire pas mal d'Endermen parce que ça me permet de faire de la netherite. Et voilà. Mais avec la netherite, on peut faire beaucoup de choses. Avec ça. On peut faire la Lucky Ring. Lingot, ça va, c'est faisable. Des émeraudes, j'en ai pas. La magnétite, j'ai jamais su. Ah oui, magnétite, c'est pour faire le spawn, je crois, dans le truc. La ring en navigation. On peut faire des rings. Ring of flying. Flying ring. Ah ouais, mais. Ça se crafte pas, ce truc-là. Merde. C'est ça que je veux faire. Regarde un peu tout ce qu'on peut faire avec la netherite. On peut faire des trucs sympas. Hein. Un bateau. Ah oui, le chargeur, ça j'en aurais besoin quand je ferai mes trucs pour fly. Witherite ingot, avec une tête de wither. Du coup, tu fais des armures de ouf avec ça, je pense. Normalement, on a besoin d'informations. Ah, c'est préférable, ok. Jump machin. Même temps, si les boss sont si faibles que ça. Ultimate backpack. Un bloc de netherite quand même. Hein. Du coup, du fer, on peut en trouver facilement et de la netherite avec un bloc de avec de land, avec des yeux de land, donc enfin des enderpearls. Donc j'ai un beau marteau, un blazing ingot. On peut se faire des trucs sympas. Hein. On peut se faire des rings. Se faire des rings sympas. Et donc genre avec le netherite, l'enderite ingot, on fait quoi avec ça? On fait l'ultimérite avec une étoile du Nether. Ah, on peut le foutre sur des blazérites. Mais est-ce que ils ont que 8? Ils ont quoi? Ah oui, bah voilà, 8 points d'armure. Piglins deviennent. Ah ouais, donc les piglins deviennent neutres et augmentent la chance par 2. Ça, c'était la blazerite. Ah, on peut faire un blazerite totem. Ok. Allez, on va se farmer un petit peu. Ou alors, est-ce qu'on se ferait pas. On se ferait pas. Oh. Ouais. J'ai dit que j'allais faire des. Ouais, là-dedans, là, dans les totems, là, j'avais pas un truc avec. C'est pas là. C'est pas là, c'est là. J'avais pas une histoire d'Enderman, là. J'en avais pas vu un de totem. Non, ça, c'est sur les fantômes. Non, j'ai pas vu. Non, je pense pas. Bon, allez, on va se refarmer peut-être un stack. Va se foutre dans un coin là. On va se faire des Endermen. On va se foutre là. Non. Qui c'est qui va me dire voir?
C'est qui est venu voir Laurent? Viens, rapproche-toi. Allez, venez. Hein, pas mal mon épée quand même. Combien j'en ai 13? Pas beaucoup. Non, je m'en fous plus. Plus de netherite. Comme il me faut des blocs. Je pense qu'il faut un vrai stack de 64 quoi. Je vais pas faire de ferme, hein. C'est pas mon truc, hein, faire des fermes. Hein. Activer lui hein, parce que les copains toi mon toi allez venez petit ouais je pense qu'on va aller chercher les élytras quand même mais ça sera plus simple pour parcourir le monde et se faire les donjons et trouver les trucs. Il me touche lui. Donc toi suis trop près. Eux là, se taper la bavette là, de discuter. Et ça donne de l'XP. Va changer de musique. J'en ai marre des musiques, faut que je les change. Coucou petit. Petit. Sont tous barrés ou comment ça se passe? Oh, c'est un gros lui. Ah putain, il y a. Ah merde! Alors, ah bon, ça j'aime pas, hein. Quand il pique mes épées, ça c'est chiant. Non, mais je vais pas t'affronter. Comment il s'appelle? Herobrine, il est là, je sais. Ah, il était là. Marche plutôt mal, pas mal hein, ce mode. Il apparaît de temps en temps. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne lui ai pas fait d'offrande, histoire de le calmer. Allez, venez là. Après, on ira chercher une forteresse. Surtout avec le local compass. Non, le compass structure, je sais plus quoi là. Bon. Ça fait que 32, hein. Mais pas 64 encore, mais bon. Ouais. Bon, allez. On va ranger tout ça. On fera le tri plus tard. Je bois aussi, ça, j'en avoir besoin pour. Tout. Ah si, j'ai dit que j'en allais en avoir besoin. Ça, la pelle, on va en avoir besoin. J'ai pas besoin de deux arcs. Pelle, on peut en avoir besoin. Ah. Allez, il est où le bignou là? Il est là? Ah, bah, il est là-bas. Toujours chiant à atteindre en plus au-dessous du void évidemment. Là, ça me rassure pas.
Putain, il est vachement haut en plus. Allez, c'est parti, on shift. Bon, en face, évidemment, mais bon. Là, faut pas se louper, hein. Ok. J'aime pas le vide. Bon, je regarde pas le chat parce que... Putain, je suis trop haut. Je vais descendre de 2. Quoi là-bas? Il est laissé? Un bloc de netherite. Je disais quoi? Faut que je descende de 2. Même 3, je préfère remonter. Qu'il faut faire. Ok. Je suis pas rassuré, les amis. J'ai horreur de faire ça. De miner au-dessus du vide. En même temps, j'aurais pu rentrer. Que j'ai mis le truc. Je pense que je vais faire ça. Je vais rentrer. Je vais mettre mes affaires au. Quoique, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah, l'XP. Hein. Je récupère. Il faudrait des échelles. Là, je vais faire des escaliers, ça va être chiant. Heureusement, il y a le mode quark. Non, c'est la marche arrière, c'est là. Bon, évidemment, j'ai regardé un Gustave. Tout excité, tu crois que tu me plais? Je crois qu'il y a, il y a des touches pour le configurer, pour faire un escalier, mais... On y va tranquille. Quand il s'excite en dessous, là. Oui, bah j'arrive. Moi, je suis occupé. Il s'est barré. Tu trépignes, hein. Là. Ouais, il reste encore. Hein. Et où? Allez, viens, va. Je te jure. Ok. Est-ce qu'on peut rentrer direct à la maison? On peut. Du coup, on va stocker notre XP. C'est tout ce qui me... tout ce que je veux. Tic. Ah. On va stocker. On va ranger. On va ranger des trucs. Putain, j'en ai du sable. On va stocker. On va ranger hein, tout ça. Hein, parce que c'est. J'ai pas envie de perdre comme la dernière fois. À part que ça, ça va dans mon backpack. Ouais, voilà, nickel. Ça, faut ranger dans les... Il n'y a plus de place. Ah oui, j'avais fait un deuxième coffre avec tous les artefacts. Va falloir se faire un stockage bientôt, mais j'ai pas envie de rester là. Que le village, faudrait qu'on aille ailleurs. Quand on aura les élytres, on aura qu'on se trouve un endroit pour se poser, quoi.
Du coup, faut ranger. Du coup, faut des coffres. Je crois qu'on va faire des coffres à bordel parce que j'en ai marre de ranger à force. Et après, on se fera le network. Un petit réseau là. Crois que je vais faire un coffre à bordel parce que sinon. Je commence à ranger maintenant, on s'en sortira pas. Réfléchis. Ah. Voilà, c'est sûr. Maison de perles, ouais, si je veux les garder. Oh, si j'en ai besoin là pour aller dans le bidule. Là. On est bien. Ouais, donc bon, donc ça, tout ça, voilà, on va vider tout ça dans le coffre à bordel. On jouera plus tard. On va même jeter des trucs directement, ça sert à rien de les garder. Tout ce qui est à garder, on garde, sauf les portes. Les torches, on va les garder. Ça, on peut garder. Donc, on rangera plus tard. Oh, j'en ai andésite, gravier, la terre, ça je garde, ça je range, tout améliorer. Non plus. Là, on va le jeter, tout pourri, ça on peut le garder, ça on peut. Épine, on pourra le récupérer, un de ces quatre. Oh, du bordel là-dedans? Ouais, voilà, je rangerai plus tard. Oui, j'avais fait la table de craft là. Vraiment. Du coup, j'ai quand même gardé des enderperles là. Oui, 12. Ok, j'ai gardé des flèches, je sais pas pourquoi, mais l'arc, bon, pas trop. Ça. Être là. Et puis on y retourne. Ah mais j'ai plus d'XP. Combien il faut 3 d'XP? On va aller sur Razalma. On peut pas le renommer. Hein. Magique. En même temps, j'avais pas fini là le truc. Ah oui, non, j'avais pas fini. Je vais rassurer, mais je le suis pas. Putain, j'ai l'air encore trop haut, non? J'espère que non. Pas que ça a à foutre de faire des passerelles là. Vais faire une fausse touche. Trop haut, non? Donc avec quoi qu'on peut me faire ça sous le vide, merci quoi. Pour descendre. Bon, allons-y. Putain, ce que j'aime pas faire ça. Bon là ou pas? Du bloc, du grès, contre mon gré.
Voilà. Va faire ça. Je crois qu'il faut shifter, c'est ça? Va pas marcher. Il faut être un bloc en dessous, c'est ça? Ouais, c'est les couilles sur les trucs, je le sens. C'est là qu'il faut pas faire de conneries. Si je shift et que je... Pas vain mine hein, ça, c'est sûr. J'ai peur. Bon, faut être un bloc en dessous, si j'ai bien compris. Concentration, hein. T'as vu où on est, quoi, sans déconner. Bon, de toute façon, pour rentrer, j'ai mon... Je l'ai encore? Ouais, j'ai ça. De téléportation. Ok. Là, évidemment. Alors, regardons. Ah, bah, il y a un rond là, il y a un rond là, mais quoi qu'il en soit, je veux sortir de cet endroit. Très bien. Évidemment, j'ai regardé deux guignols. Ok. Je crois qu'on va pas trop se prendre la tête. Le structure compass. Shift, clic droit, et on est dans le Nether, dans l'End. Où End, il y a quoi? End City. Ah. C'est l'End City qu'on cherche. 31, ok. Par là. Ah putain. Devant les yeux. Pas de bateau, fuck. La voyez sur le... Ça a été juste devant mes yeux, quoi. Oh putain, va falloir faire des passerelles et tout. Plus de blocs, moi. Du coup... On va faire un coup de vein mine là-haut. Hein. Voilà, hein. Ah, s'il m'en fallait de ces machins. J'ai besoin de ça. Est-ce que j'ai besoin de Chorus? Chorus Tech, rigolo. Void, mettez ce totem dans votre main principale ou secondaire pour éviter de mourir si vous tombez dans le vide. Ah, j'ai pas d'émeraude. Et tout ça, je peux faire. Le problème, c'est que j'ai pas d'émeraude sur moi. J'ai, mais pas d'émeraude. En tout cas, j'ai des blocs. On passe par les trucs intermédiaires ou quoi? Vous pouvez pas passer plus. Rien. Bon, bah allez, c'est parti, hein, pas le choix. Encore, j'ai pas à me plaindre. Avec Quark, on peut faire ça. Mais bon, moi j'ai des crampes aux doigts. J'ai peur d'avancer tout droit et d'oublier de. Et tomber, tout simplement. Ça me donne le vertige ce truc.
me fait peur. Quel con. Ça m'hypnotise le machin. Vraiment, ça, je reste concentré. Ça bouge. Quand on a le vertige, c'est un truc de fou. J'ose pas bouger, j'ose pas aller, ne pas aller tout droit, évidemment. Bon, à nous les loustiques là, les, je sais plus comment ça s'appelle. Ah non, c'est pas fini. On va faire une passerelle. C'est reparti. Ah mais je voulais pas aller tout droit, moi, je voulais aller dans le coin, on peut pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trucs-là? Par de plus loin. Bon, mais ça revient au même. Tant partir de là et aller droit, quoi. Allez, on est reparti pour le stress. Quoiqu'à un moment, je tournerai pour passer sur la passerelle. Allez, on prend sur soi. Et moi j'ai le vertige. Oh, oh, oh. Je crois que je vais aller tout droit. Là ça marche bien. On se déconcentre pas. Au dernier moment quoi. En fait c'est pas un end normal hein. Puisque on le voit y a... Ah mais si y a un bateau, ouais cool. Hop, là, pour une fois j'ai eu du bol. Attends je rentre. Ok. Putain, je t'avais pas vu, t'es con. C'est qu'à un moment donné, on se cogne la tête. Il y a un marchand jusque là quoi. Ah un archimage. T'es un méchant toi? Oui t'es un méchant. T'es mort en tout cas. Ça, ça ira plus vite hein. C'est bon là. C'est quoi ça? Les mobs ayant plus de 50 HP perdent 1% de leur HP et de leur point de vie. Oula. Ouais, ouf. Vous pouvez mourir avec cet item. Bon, on va le prendre quand même, mais. Voilà.
Solidité 3, machin, apnée 3, etc. Ça, c'est intéressant. Et puis, il y a. Par contre, oui, si, je pense que je vais pouvoir le récupérer. Tiens, celui-là, je l'avais pas vu. Sac ambulant. On va voir ce qu'il a dedans, lui. Celui-là, je l'avais déjà. On va en faire 50, je sais pas, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il a, le Wanderin. C'est-à-dire qu'on a un Under Chest. Ok. Qu'est-ce qui contenait son truc? Des poissons. 3 diamants quand même. La glace. Mec, main, item, unusable. Intemporel, immobilise. On tentera ça, on essaiera ça plus tard. On verra à quoi ça sert. Et lui, célérité, oh, je sais pas besoin. Par contre, normalement, j'ai si je fais ça. Je fais ça, j'ai Seal Touch. À vérifier. En shiftant normalement. Ok. Bon. Débloque. J'aurai plus de bloc, moi. On y retourne. On grimpe, hein. Je sais pas où, mais je sais pas où on va, mais on y va. Mon requin va bouffer un petit coup. Prendre son arc en main. Ah, ça y est. Celui-là, mieux vaut l'avoir avant. Il est costaud. Téléporter, non? Merde, quel con. Bon, vous allez me toucher, oui, que je puisse monter? Ah, quand même. Oh putain, celui-là, il est chaud. Lui, il va être casse-couille, je le sens. Celui-là, je l'ai déjà eu. Solidité 3, butin 3, solidité 3. Bon, on s'en fout. Double jump, protection 4, houblon 3, ça, j'en veux pas. C'est ce qui permet de sauter. Agile, je ne sais pas. Un collier. Donne une chance de blesser quand porté. Est-ce que j'ai un collier, moi? J'ai un collier. Ouais, j'ai déjà un collier. C'est quoi comme collier? Ça, là. Ouais, c'est un totem d'Undying. Ah, c'est bon, arrête de crier. Ok. Underchest. Ranger. Hop. Regardez. Ça. Ok, ça réduit les dommages. Et ça. Oh, enfin, un mending. Protection 4 et mending. Enfin. J'ai pas pris mon enclume. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'XP. Si, j'ai une enclume. Mais très bien. Ah, bah non, je vais pas. Bah, si, après, je peux récupérer, de toute façon. Je peux récupérer mes enchantes. Ah bah. Normalement.
J'ai envie de mettre mending sur ça. Sur l'épée, non, sur ça, ça va. Il est où mending? Ah mais non, mais faut que je l'extrais avant, je suis con. Je suis fatigué. Oui, non, mais je voulais le mettre, mais... Ok, on range. Je vais le mettre sur moi. Au niveau flèche, comment ça se passe là? Plus beaucoup, hein, 40. Spectral, mais c'est tout quoi. Après, j'ai des flèches de dégâts. Pourquoi pas? Bon, allez, on va essayer quand même de réchauffer les élytras. Le truc, il est là. Ah ouais, d'accord. Lui, il est chiant. Lui, il est chelou, lui. Il va me casser les couilles, je le sens. S'il me fait tomber là, je l'ai pas eu en plus. Hein. Encore deux là-bas, je les ai pas fait. Là, toi. C'est bon, il ne fera plus chier. Bon, je voulais redescendre. Ah, je voulais voir ce qu'il m'avait offert. Il avait looté. C'est machin. Et là, on est dehors, là, on est où? Et t'es où l'autre truc? Ah, il est au-dessus. On va remonter. Et donc, les deux, bof, pas terrible, hein. Sur le cœur. Je sais pas où il est le machin. Ah c'est là, merde. Je sais pas si je suis allé là en face. A priori non. Anna. Oui, on va aller chercher les élytras aussi, mais bon, il y a des coffres à faire avant. On finira avec les élytras. Pourquoi c'est cassé ici? Ah, pourquoi c'est dangereux? Tu vois, il n'y a rien. Ah, il s'est barré. Ah, je suis monté tout ça pour rien. Mais il n'y a rien là-dessus. Pour rien. Ouais, c'est une tour, y a rien. Bon. Alors, il faut aller au bateau qui est là. Pour remonter à gauche.
Et monter. Demander le peuple. Ah putain, je tomberai dans la toile d'araignée. Est-ce qu'on peut remonter une toile d'araignée, non? Tenter. On peut pas, c'est des dalles, évidemment. Eh, qu'est-ce qui... Pourquoi il y a des toiles d'araignée ici? 33. Prendre ça comme bloc. Et allons chercher les Illithras et on sera tranquille pour la suite. Des aventures. Lui il est loin, mais bon. Bon, on l'a eu. Elle est vraiment mal foutue cette cité, hein. Normalement, le bateau est rattaché, non? Quand je dis ça. Parce que là, si je tombe, je meurs. Je vais avoir chute amortie. C'est quoi que là-bas? Il y a un cristal de l'End. Avec le touch, on peut peut-être le récupérer. Téléporter. Essayez d'avoir les élytras là. Je reste concentré. Il y a encore un bateau là-bas? Ah oui, d'accord. Ah ouais, je la joue safe, hein, parce que... Je me connais. Oh, la musique différente. Une Silk Touch. C'est bon ça. Celui-là, je l'ai déjà. Ensuite, des graines de betterave, pourquoi pas. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Pour éviter de mourir sans tomber dans le vide. Dans la main secondaire. Ouais, mais dans la main secondaire, j'ai mon bouclier, moi. Donc, ok, et un P4. Ça va. On va pouvoir se le faire, lui. Il permet au porteur de faire un double saut. Par contre, j'ai une enclume, mais j'ai... Ouais. Va falloir qu'on rentre. Qu'on mette mending et tout ça. Remarque, si je rentre facile maintenant. Je peux rentrer facilement, revenir facilement. Bon, ah bah si. Si, puisque j'ai mis un portail. Ok, ok, ok. Je pense que je vais les mettre, ça m'évitera de stresser. Et on peut pas les mettre là-dedans. Non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire debout avec les élytras? Les élytras tarantules. Ah, on peut les mettre sur le dos avec des écailles de dragon. What? Faire une copie. Ah, Diamond Ring qui permet de faire l'Angel Ring. Mais je pense que j'avais essayé, ça marchait pas. On baisse en life, mais au moins on est un peu plus sûr. Du coup, je serais tenté. Aller en face, à gauche,
On peut voler. On va planer, je veux dire. Qu'est-ce que je fais? Je prends le risque ou pas? Là, on va planer, il va falloir monter. Quelle heure il est? Oui, non, je vais arrêter. On va arrêter le stream ici. Je vais rentrer. Hein. Par contre, J, si, ajouter. C'est quoi ça? C'est le NCT. NCT à faire. À faire. Bon, elle est un peu plus loin, mais bon. Voilà, comme ça. Comme ça. Je sais la direction pour la prochaine fois. Allez hop. On va se mettre en sécurité à la maison. On va aller dans Home. Home. Ça fait du bien de rentrer. Ah oui, c'est le l'XP. J'allais dire, j'ai pas d'XP. Mais normalement, je dois en avoir. Ça a peut-être consommé de l'XP, je ne sais pas. Et donc, voilà, pas besoin des élytras. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il va falloir que je range tout ça. Et puis voilà. Et puis, on se retrouve. Hop. C'est mes affaires, oui. Ok, bon, bah moi je vais ranger un peu tout ce bazar. Et puis je vais aller au dodo surtout. Et 1h30 du mat. Voilà, j'espère que ce petit stream vous a plu. Amis de YouTube, eh ben, je vous dis à bientôt. À la prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Même si là, c'était un petit peu laborieux ce soir, mais un peu fatigué. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Non, c'est pas ça. C'est là. Ciao.